ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إذا توقفنا وستي أغتي sur les trois caractéristiques, trois qualités que celui qui les possède, il atteindra, il aura les clés du bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Qui sont, quand il a reçu un bienfait, il est reconnaissant, quand il est éprouvé, il patiente, et quand il fait un péché, il demande pardon, il se repent. Toute la première partie, c'est une introduction où il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour l'élève. Puis, il va, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire une introduction logique pour montrer l'importance de connaître ces quatre règles. Et pourquoi il est important de connaître le shirk. Et en fait, ces quatre règles sont là pour pouvoir reconnaître le shirk et le mushrik. Et différencier le mushrik du mu'min. Donc, mais avant donc, d'en arriver à là, il va montrer pourquoi c'est important de connaître le shirk. Donc, il va dire « I'alam ». أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون il dit اعلم sache c'est-à-dire sans aucun doute avec certitude quand on dit اعلم العلم La science, c'est-à-dire, c'est la certitude, la sans aucun doute, sache sans aucun doute, sans avoir aucun doute. Arshadak Allahu li ta'ati. Il continue à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour l'élève, qu'Allah te guide et qu'il te permette son obéissance. Et c'est quoi son obéissance? La science bénéfique et les bonnes œuvres. Anna al-hanifiyyata millata Ibrahim. C'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce que c'est la hanifiyya? Il l'explique lui-même. An ta'bud Allah mukhlishan lahu ad-din. Le fait de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala consiste à adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif et sincère. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, Allah tabarak wa ta'ala l'a ordonné dans le Coran. Dit, on m'a ordonné, c'est-à-dire dit au Muhammad, on m'a ordonné d'adorer Allah sincèrement en lui vouant un culte exclusif. Et on m'a ordonné d'être le premier des soumis. Dans Sourate Az-Zumar. Puis Allah Ta'ala dit aussi, dit, c'est Allah que j'adore en lui vouant un culte et un culte exclusif et une religion exclusive. Et aussi Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, il n'avait pourtant reçu l'ordre que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Donc cet ordre-là, cette religion qui est d'adorer Allah, mukhlisan lahu ad-din, en lui vouant un culte exclusif, c'était la religion aussi de Ibrahim alayhi salatu wassalam. El-Hanif. El-Hanif, c'est celui qui penche. Ça vient de l'origine de pencher. Pencher, mais ici, dans quel sens? C'est pencher du mal vers le bien. Et pencher vers la guidée, se diriger vers la guidée en délaissant le mal. C'est ça, al-hanifiyya.
délaisser le shirk pour le tawhid et délaisser le mal pour le bien. Voilà quelle était la religion de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Comme Allah Ta'ala dit, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanif, musulman, soumis. Donc, après avoir cité cela, donc sache que cette religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam est d'adorer et de vouer un culte exclusif à Allah, qui est notre religion à tous. Et il a dit, il a donné comme preuve, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, exclusivement pour qu'ils m'adorent. L'adoration ici, comme on dit les mufassirun, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit que les prophètes, l'appel de tous les prophètes, c'est adorer Allah, vous n'avez nulle divinité digne d'adoration en dehors de lui. Ou bien, adorer Allah et délaisser le ta'out. Et délaisser le ta'out. Le ta'out, c'est tout ce dont la limite est dépassée dans l'adoration, dans l'obéissance ou dans le suivi. Comme Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a défini. Tout ce que le cheikh va citer sont une suite logique. C'est-à-dire, il va citer un point. Si tu as accepté ce point-là, donc sache le prochain point, ce que cela en découle. Donc là, il dit la religion d'Ibrahim, c'est le monothéisme exclusif, d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Puis, il dit فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَعَلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Donc, il dit ici, maintenant qu'on est d'accord, qu'Allah ne t'a créé que pour son adoration. On en a cité les preuves. Son adoration exclusive. Donc il dit, sache que l'adoration n'est digne de ce nom que si elle est accompagnée du tawhid, du monothéisme pur. Et effectivement, une adoration dans laquelle il n'y a pas le tawhid, elle ne s'appelle pas une adoration pour Allah. Et il va donner un exemple. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Ceci, comme la salat, comme la prière, qui n'est appelée prière, qui n'est digne de ce nom, qu'avec la purification, qu'avec, en étant purifié des grandes, de la grande et de la petite impureté. Donc, si le shirk s'insinue dans l'acte de l'adoration, celui-ci est corrompu à l'image de la pureté rituelle de celui qui a perdu ses ablutions. Donc, il donne ici un exemple clair pour montrer qu'une adoration pour laquelle tu as été créé pour adorer Allah, n'est-ce pas ? Cette adoration pour laquelle tu as été créé, elle n'est nommée adoration que si elle est avec le tawhid. De la même façon qu'une salat n'est nommée salat que si elle est faite avec pureté, avec purification. Sans purification, on ne dit pas que c'est une salat. Et le shirk, c'est une impureté. C'est comme l'impureté qui vient annuler l'état de pureté de l'homme pendant le wudu. Alors pareil, le shirk, il vient annuler toutes les œuvres. Il vient annuler toutes les œuvres. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et comme Allah Ta'ala a dit, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc Allah Ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans surat Az-Zumar, si tu avais donné quelconque associé à Allah, tes actes auraient été caduques, annulés. Puis il dit, وَلَوْ أَشْرَكُوا, en parlant des prophètes, tout ce qu'ils ont fait aurait été annulé. Donc si les meilleurs des hommes étaient tombés ou seraient amenés à tomber dans le shirk, tous leurs actes seraient annulés. Alors qu'allons-nous dire de meilleurs qu'eux ? Wahasha, les meilleurs des hommes, ils ne tombent pas dans le shirk. Car ils sont les imams des muwahhidin, les imams des monothéistes. Ils sont venus appeler au tawhid et au monothéisme pur. Non. Pourquoi ici le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab ramène tout cela ? C'est pour interpeller la raison de ceux qui disaient que à son époque, qu'on pouvait adorer Allah en lui donnant des associés, qu'il n'y avait pas de mal.
Mais ces gens-là là, qui disaient cela, si tu leur dis, si quelqu'un fait la salat sans les ablutions, est-ce que sa salat est acceptée? Il dit non, c'est pas une salat. Donc il a voulu partir sur un point sur lequel ils sont tous d'accord. C'est-à-dire, vous êtes tous d'accord que la salat sans les ablutions, c'est caduque? Ils vont dire oui. Vous êtes tous d'accord que l'être humain, elle a été créé pour adorer Allah? Ils vont dire oui. Dans ce cas-là, vous devez être d'accord qu'il y a, comme il y a des actes qui annulent les ablutions, il y a des actes qui annulent la foi. Et comme l'impureté annule les ablutions, qui est une impureté matérielle, le shirk, c'est une impureté morale qui annule le tawhid. Donc il est parti d'un exemple concret et matériel pour prouver quelque chose de non matériel. Et effectivement, le shirk, c'est une najasa, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit. Les mushrikoun, sont impurs. C'est pas impur dans leur personne, mais impur dans leur croyance. Non. Puis, il a dit, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبَهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc, il dit, puisque tu sais maintenant que le shirk corrompt l'acte d'adoration lorsqu'il se mêle à lui et qu'il rend les œuvres vaines et qu'il vaudra à son auteur l'enfer pour l'éternité, tu auras alors compris qu'il s'agit de la chose la plus importante qu'il t'ait demandé de connaître, en espérant qu'Allah te sauvera de ce piège qui constitue le shirk, dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en vérité Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne à qui il veut des péchés moins graves, en dessous de cela. Et ce, par la connaissance, bima'rifati arba'i qawa'ida dhakaraha Allah ta'ala fi kitabihi. Et ceci en connaissant quatre règles de base qu'Allah a citées dans son livre. Donc la première chose, quand il a dit, une fois que tu as su que le shirk corrompt l'acte d'adoration, il l'annule. On a montré les preuves que les actes sont annulés pour celui qui fait du shirk. Les deux versets qu'on a cités auparavant, dans surat Zumar et l'autre verset dans surat Al-An'am, où Allah tabaraka wa ta'ala parle des prophètes. Premièrement, donc le shirk annule toutes les œuvres. Deuxièmement, le shirk est une cause d'entrée en enfer éternel, comme le shirk akbar, bien sûr, hein, comme il est prouvé dans plusieurs versets du Coran. Celui qui donne quelconque associé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a interdit le paradis et sa demeure sera l'enfer, le feu. Donc, le shirk est une cause d'annuler les actes. Le shirk majeur, le polythéisme majeur. Il est une cause d'entrer en enfer éternel. Il est une cause d'être privé de l'entrée au paradis. Et il est une cause de ne pas mériter le pardon d'Allah. Comme il a dit ici dans ce verset, donc voilà tous les méfaits du shirk akbar. Il n'est pas pardonné. Il est la cause d'être éternellement en enfer et d'être privé du paradis. Et il est la cause d'annuler toutes les œuvres de la personne. Et ici, il cite la cause. Pourquoi c'est important de connaître cela? Il a dit, donc, si tu comprends que le shirk mène la personne en enfer éternel, alors tu comprends que le plus important pour toi est de connaître le shirk pour ne pas que tu tombes dans ce piège. Donc l'importance de connaître le mal pour ne pas tomber dedans. D'où l'importance de mettre en garde en islam contre le mal et contre les gens du mal pour ne pas les suivre et pour ne pas tomber dedans. Voilà. Et ça, c'est le manhaj, c'est la voie du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salaf salih. D'ordonner le bien et d'interdire le blâme. D'appeler vers le bien et de mettre en garde contre le mal.
d'appeler au tawhid et de mettre en garde contre le shirk, d'appeler à la sunna et de mettre en garde contre la bid'a. C'est ça la voie du Coran et de la sunna du prophète alayhi salat wa salam. L'un ne va pas sans l'autre. Ni quelqu'un ne fait que mettre en garde, il n'appelle pas à la sunna. C'est-à-dire, il met en garde, mais il ne propose rien. Il ne te dit pas, fais ceci, or, adore Allah de telle manière, ou adore pas Allah de telle manière. Non, fais pas, c'est tout. Juste, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas. Oui, mais je fais quoi? Non, ne fais pas. Et l'autre côté, celui qui te dit, il faut faire ça, mais il ne te met pas en garde contre ce qu'il ne faut pas faire. L'équilibre, on ordonne les ordres à appliquer et on met en garde contre les choses à ne pas pratiquer. Non. Ou à ne pas croire, ou à... etc. Donc, on avait dit tout à l'heure, certes, celui qui donne un associé à Allah, Allah lui a rendu interdit le paradis et sa demeure est l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Ulaika hum sharrul bariyya. » Certes, ceux qui ont mécru des gens du livre et des associateurs seront en enfer éternellement. Comme Allah ta'ala dit dans le Coran. Ici, min ahli al-kitab, ça ne veut pas dire une partie d'entre eux. C'est-à-dire les kuffars qui sont les gens du livre et les mushrikin. Dans ce sens-là. Et non pas comme certains diraient, ceux qui ont mécru parmi les gens. C'est-à-dire certains parmi eux. Non. Les gens du livre et les mushrikin, c'est des kuffars. Donc, il a dit, en espérant qu'Allah te préserve de ce piège qui est le shirk. Et il a cité le verset dont on a parlé. Il a dit, de quelle manière tu vas te préserver de ce shirk? Connaître le shirk pour pouvoir t'en préserver après. Donc, avant de te préserver d'une chose, il faut que tu la connaisses. En connaissant, وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Ceci en apprenant quatre, en connaissant quatre règles de base qu'Allah a citées dans le Coran, dans son livre. Quand ici il dit quatre règles de base qu'Allah a citées dans son livre, ça c'est très important. Ahl sunnah, il n'invente pas des règles innovées. Ils ne viennent pas avec des fondements innovés. Mais les règles et les points et les fondements qu'il cite, ce sont les règles et les fondements qui sont dans le Coran et la Sunna. Contrairement à Ahl al-Bidah, par exemple les Hizb, les Ahzab, les sectes ou les groupes aujourd'hui, ils ont des règles propres à eux. Ils ont des règlements intérieurs ou des croyances propres à eux ou des règles propres à eux. Quand on regarde bien, ce sont des règles innovées. C'est pour ça que les savants ont répondu à leurs innovations. Et ils ont démontré qu'ils ont introduit en islam ce qui n'en fait pas partie en inventant des règles innovées. Que ce soit des règles dans la croyance, ou que ce soit des règles dans la da'wah, ou que ce soit des règles dans le conseil, ou que ce soit des règles dans la mise en garde, ou que ce soit dans les règles dans les adorations. Des règles qui ne sont pas basées sur le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ni l'ijma', ni la voix des pieux prédécesseurs. Et c'est ça qui différencie les gens de la sunna des gens de la bid'ah. Les gens de la sunna, ils mettent des règles en place tirées du Coran et de la sunna. Ils ne font que traduire par des règles qui existent déjà, ils ne les ont pas inventées. Ils les ont juste nommées et organisées, mais elles sont déjà dans le Coran et la sunna. Alors que Ahl al-Bid'ah, les gens de l'innovation, ils viennent avec des règles dont Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas descendu de preuves solides. Et d'abord, ils inventent leurs règles. Après, pour se donner bonne conscience ou pour tromper les gens, ils essayent de trouver des versets et des hadiths qui peuvent appuyer leurs règles et ils tordent les coups des textes pour les faire, pour qu'ils puissent être compris dans le sens qu'ils veulent, eux. Alors que le sunna, le départ, il est du Coran et de la sunna. Et l'arrivée, le résultat, c'est les règles. C'est pas le contraire. Eux, ils ont d'abord fait les règles, après ils sont allés voir dans le Coran et la Sunna si ces règles, elles existent ou elles n'existent pas. Eux, et même si elles n'existent pas, ils essaient de les faire exister. Ils ont d'abord eu une croyance, ils ont été convaincus d'abord, après ils ont cherché les preuves. Alors que les gens de la Sunna, ils cherchent d'abord les preuves, et après les preuves, s'ils arrivent à un résultat lié sur des preuves solides, ils sont convaincus.
Donc la démarche est complètement différente. La méthodologie, l'approche même est différente. Non. Puis, il a commencé à citer ces règles-là. Rahimahullah. Al-qa'idatul oula. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Donc il dit le premier principe. Sache que les mécréants que combattait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient qu'Allah est le créateur qui dispense ses bienfaits aux hommes et dirige sa création. Pourtant, cette croyance ne faisait pas d'eux des musulmans, comme le prouvent les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala dit: qui donc vous procure la nourriture du ciel et de la terre? Qui dispose de l'ouïe et de la vue? Qui fait sortir le vivant du mort? Qui fait sortir le mort du vivant? Qui dirige toutes choses? Ils répondirent: c'est Allah. Dit: ne le craindrez-vous donc pas? Effectivement, Kuffar Quraysh, parmi les Arabes, il disait: Allah c'est le créateur. Et il reconnaissait que c'est lui qui dirige l'univers. Mais il lui donnait des associés dans l'adoration. La preuve, on a cité ce verset. Quand on leur demande, donc, dit: qui donc vous procure la nourriture du ciel et de la terre? Qui dispose de lui et de la vie, etc.? Ils disent: c'est Allah. Donc ils savent très bien. Ils reconnaissent. Mais ceci n'a pas suffi à les faire entrer en islam. Car reconnaître la seigneurie d'Allah n'est pas suffisant pour être musulman. Ici, on voit la différence entre la compréhension de la ilaha illallah chez Ahl Sunnah, chez les gens de la Sunnah, et la compréhension de la ilaha illallah chez les gens de la Bid'a. Chez les gens de la Sunnah, la ilaha illallah veut dire nul ne mérite l'adoration sauf Allah. Chez les gens de la Bid'a, il y a plusieurs tafsirs. Si déjà à la base de l'islam, le shahadaté, qui est la base, la ilaha illallah, la première chose avec laquelle on rentre dans l'islam, si on n'est pas d'accord déjà sur ce que ça veut dire, comment vous voulez qu'on soit sur une même voie? C'est pas possible. Alors, nous avons al-asha'ira ou al-maturidiyya, ils disent la ilaha illallah, c'est-à-dire la qadira ala l'ikhtira'a illallah. Nul n'est capable de créer sauf Allah. Donc en fait, pour eux, la ilaha illallah, ce n'est pas en contradiction avec la croyance des Quraysh. Parce que les Quraysh aussi, ils disent que c'est Allah qui crée et qui dirige l'univers. Subhanahu wa ta'ala. Chez Al-Qutbiyya et ceux qui appellent à Da'wa Al-Hakimiyya comme l'Ikhwan, etc., ils disent La Hakima illallah. Nul ne juge, nul n'est juge sauf Allah. Pour eux, c'est ça le sens le plus important de la ilaha illallah. Nous, on dit oui, ça rentre dans la ilaha illallah. Mais ce n'est pas le sens premier. Ce n'est pas la da'wa des prophètes. Les prophètes n'ont pas été envoyés pour faire appliquer les lois de la charia en premier lieu. Ils sont venus appeler au tawhid et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça leur da'wah. Et non pas, comme a dit l'imam Sheikh Najmi rahimahullah, il a dit les prophètes n'ont pas été envoyés pour rétablir un état islamique, mais ils ont été envoyés pour appeler à l'adoration d'Allah unique. Donc c'est pas l'objectif premier. Ce n'est que des moyens. Établir un état, c'est pour faire pratiquer les ordres d'Allah. C'est pour que les gens n'adorent que Allah uniquement. La ilaha illallah, chez les tabliriyin, chez Jama'at al-Tablir, comme ils le disent si bien eux-mêmes, c'est sortir les mauvaises certitudes du cœur pour rentrer la bonne certitude en Allah. Cette définition de la ilaha illallah, déjà, elle n'est que du côté de Rububiyya, liée à la, c'est-à-dire à la création et à la seigneurie d'Allah, à la seigneurie. Mais même dans la seigneurie, elle est fausse, cette définition. Quand elle dit sortir les mauvaises certitudes sur les choses, les certitudes sur les choses, c'est-à-dire pour eux, tu ne dois pas avoir la certitude que le feu, il brûle.
ou que l'eau il mouille, ou bien des choses qui sont sûres, que le Coran et la Sunna ont affirmées. Parce qu'ils disent sortir les certitudes sur les choses, c'est-à-dire toute créature, toute chose. Et ceci est faux. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a la certitude. On a la certitude qu'Allah, il a mis l'effet de brûler dans le feu. On a la certitude qu'Allah, il a mis l'effet de mouiller dans l'eau. On a la certitude qu'Allah, il a fait que manger, c'est une cause de ne plus avoir faim. Tout ça, c'est des certitudes. Non, pour eux, il faut enlever toutes les certitudes. Il faut vivre dans l'incertitude, dans le doute total. Ça, c'est vert, Allahu a'lam. Ça, c'est... Ça, tu marches, non. Tu voles, non. T'es assis, non. Tout est dans l'incertitude. Donc déjà, c'est une erreur, le fait de dire ça. Et le fait de le renfermer seulement dans... On enlève toutes les certitudes, sauf en Allah. Les mauvaises certitudes. Il faut savoir que parmi les koufars, comme a dit Cheikh Al-Uthaymeen en critiquant cette parole, il a dit, il y en a qui sont dans le doute, qui n'ont pas de certitude. Donc en disant, tu enlèves toutes les certitudes sur les choses... Or, pour mettre la certitude sur Allah, tu n'as pas englobé les gens qui sont dans le doute, qui n'ont pas de certitude. Donc ce n'est pas, c'est une définition totalement erronée de la ilaha illallah. Même dans la seigneurie, c'est faux. L'explication de la ilaha illallah, chez l'ashab wahdat al-wujud, ceux qui exagèrent parmi les soufis, qui disent, la ilaha illallah, il n'existe que Allah. Donc pour eux, il n'y a pas de créateur et de créature. Pour eux, le créateur, il est mélangé aux créatures. Il ne sépare pas entre le khaliq ou le makhlouq. Donc c'est pour ça, pour eux, quelqu'un qui adore une statue, ou qui adore une chose, ou qui s'adore même lui-même, il a adoré Allah. Parce qu'il n'y a rien d'existant sauf Allah. Donc il peut tout adorer. Donc vous comprenez un peu l'hérésie de cette pensée-là. Et ils disent, ceux qui disent qu'il y a autre qu'Allah, c'est des mushrikins. La ilaha illallah, mawjouda illallah, le shirk pour eux, c'est de dire qu'il y a quelque chose d'autre qui existe à part Allah. C'est ça le fikr de wahdat al-wujud. L'unicité dans l'existence. Dans l'existence, il n'y a qu'une chose, c'est Allah. Enfin, une chose. Qu'il n'y a qu'un, c'est Allah. Wallah. Bien sûr, c'est complètement faux. C'est pour ça d'ailleurs que c'est les premiers des mushrikim. Car ils associent à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est normal. C'est comme l'autre qui a dit, sous mon qamis, il n'y a que Allah. Hein? Comme Ibn Arabi aussi, pas Ibn al-Arabi, hein? Ibn Arabi, etc. Tous ces hérétiques qui ne sont en vérité, ils n'ont jamais été dans l'islam ni de près ni de loin, ils ont été rendus mécréants par Ammat al-Muslimin. Donc, vous voyez bien qu'à la base, si la kalimat al-Tawhid, le message pour lequel les prophètes ont été envoyés, déjà s'il y a une divergence sur cette compréhension-là, comment après on peut être d'accord? C'est pas possible. À la base, on est divergent sur déjà le fondement de l'islam, al-shahada. Et si le fait de reconnaître que Allah c'est le Seigneur et Créateur, c'était suffisant pour être musulman, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a jugés alors les Quraysh mécréants, et pourquoi il les a combattus alors? Puisqu'il reconnaissait qu'Allah c'est le Créateur et le dirigeant. Si ce n'est pour tawhid al-uluhiyya, si ce n'est pour le tawhid dans l'adoration. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit, dans le sens des versets, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah, comme dans surat Luqman. Dans surat Zukhruf, si tu leur demandes qui les a créés, ils vont dire Allah. Et ceci aussi dans les communautés auparavant, que ce soit la communauté de Nuh ou de Ad, et de Thamoud, ils reconnaissent qu'Allah tabaraka wa ta'ala c'est le créateur, mais ils mécroient dans le message et ils mécroient dans, ils ne veulent pas lui vouer un culte exclusif, subhanahu wa ta'ala. La preuve que la ilaha illallah, cela veut dire qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah. Premièrement, El ilah en langue arabe, déjà il porte le sens de celui qui mérite l'adoration. Dans le nom ilah, déjà. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni ses proches et sa tribu, et il s'est mis debout sur le mont Safa, et il leur a dit, si je vous prévenais qu'une armée veut vous attaquer de derrière ce mont,
Est-ce que vous me croiriez? Ils ont dit, bien sûr. Tu es le véridique, le digne d'être, de confiance, le digne d'être cru. Il a dit, je suis envoyé de la part d'Allah pour vous prévenir d'un châtiment douloureux. Il a dit, dites la ilaha illallah. Et c'est là que Abu Lahab, il a tapé ses vêtements comme ça, et il a dit, tabban laka, que tu sois maudit. Et Allah, il a révélé, tabbat yada, abi lahabi wa tab. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il veut faire de toutes les divinités une seule divinité? Donc on a bien vu que ici, les Arabes de Quraysh, ils ont bien compris ce à quoi les appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce n'était pas de reconnaître qu'Allah c'est le Seigneur et Maître et Créateur, car ils le reconnaissaient déjà. Mais ils ont répondu, est-ce qu'il veut faire de toutes les divinités qu'on adore, en dehors d'Allah, une seule divinité qu'on adore? Donc les Arabes, les Quraysh, ils comprenaient très bien le sens de la ilaha illallah, c'est pour ça qu'ils l'ont refusé. Alors que les musulmans, ou ceux qui se prétendent de l'islam d'aujourd'hui, disent la ilaha illallah, mais ils n'en comprennent pas le sens. Et ils ne savent pas quelles sont ses conditions et ses obligations. Donc, la première règle est celle-ci. Savoir que les Quraysh, les kuffars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ils reconnaissaient qu'Allah c'est le Créateur et le Seigneur et Maître. Mais cela n'a pas suffi pour qu'ils soient musulmans. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. Le second principe et la seconde règle de base, ils disent, sache qu'ils disent, c'est-à-dire les associateurs, nous ne les invoquons et nous nous tournons vers eux uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah et afin de bénéficier de leur intercession auprès de lui. La preuve concernant leur premier argument se trouve dans la parole d'Allah. Ceux qui prennent des maîtres et protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc Allah a réprouvé déjà cela. En vérité, Allah jugera entre eux et tranchera leurs différends. Allah ne guide pas celui qui est menteur et profondément mécréant. Quant à la preuve concernant l'intercession, elle réside dans sa parole. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur être utile. Ils disent, voilà nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc, après avoir prouvé dans la première règle que ceux qui... que les Quraysh reconnaissaient la seigneurie d'Allah et que le fait de reconnaître la seigneurie d'Allah n'est pas suffisant pour être un musulman. Dans cette deuxième règle, il répond à un deuxième argument et à une deuxième chose équivoque que les mouchriquins, que les associateurs de notre époque et de son époque donnaient pour légiférer leurs actes, qui est on les invoque et on se dirige vers eux que pour nous rapprocher d'Allah. On vise Allah par cela. On ne cherche pas, on ne les adore pas, eux réellement. On les invoque et on s'approche d'eux pour qu'Allah soit satisfait de nous. Ou pour les prendre comme intercesseurs auprès d'Allah. Pour les prendre comme intercesseurs auprès d'Allah. Nous, on est sales, on est mauvais, on n'est pas purs. Eux, c'est des gens purs. On peut, en s'approchant d'eux, eux, ils peuvent intercéder pour nous auprès d'Allah. C'est ça les arguments qu'ils disent. Car ils ont comparé Allah à une créature, à un roi de ce monde. Ils croient qu'il faut agir avec Allah comme avec un roi de ce monde.
un roi de ce monde, quand il a des ministres et des proches, s'il voit des gens qui sont au service de ses ministres et de ses proches, et que ses proches et ses ministres viennent intercéder pour lui, il va accepter son intercession parce que ce roi, il a besoin de ses ministres. Pour établir sa royauté, lui-même, il a besoin de ses ministres et de ses proches. Il ne peut pas tout leur refuser. Pour pouvoir bénéficier de leur soutien et de leur totale obéissance, il faut que lui aussi leur fasse plaisir. Sinon, ils vont se soulever contre lui. N'est-ce pas? Mais est-ce que Allah, il a besoin de quiconque? Donc Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas l'intercession pour n'importe qui. Et on va le voir. Ces associateurs qui reconnaissent que Allah est le Seigneur, et c'est lui qui donne tout, et qu'ils savent que c'est lui qui détient tout, s'ils étaient véridiques dans leur prétention, pourquoi alors ils adorent autre que lui? Pourquoi alors ils lui donnent un associé dans leur adoration? Donc, parmi les choses équivoques qu'ils ont, c'est pour nous rapprocher d'Allah. On fait cela pour nous rapprocher d'Allah. Est-ce que une personne peut se rapprocher d'Allah par la plus grande chose par laquelle Allah a interdit, qui est le shirk? Impossible. Cette personne, elle va faire que de s'éloigner d'Allah. Et Allah a interdit clairement d'invoquer autre que lui et de se rapprocher par des manières d'adoration pour autre que lui. Donc on ne peut pas s'approcher d'Allah par une chose qu'il a interdite. Et cet argument-là, qu'ils font cela pour s'approcher d'Allah, il y a déjà des gens qui l'ont utilisé avant eux. Les Quraysh et les mushrikin avant. Et malgré cela, Allah a jugé de leur mécréance et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé de leur mécréance et les a combattus. Donc cela prouve quoi? Que ce n'est pas un argument acceptable auprès d'Allah. Et que cet argument ne leur donne pas la légitimité de faire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils font. Et que cet argument ne leur donne pas une excuse pour pratiquer cet acte et pour être épargné du fait de ne pas être musulman ou de sortir de l'islam. Et la preuve aussi qu'ils cherchent l'intercession. On a cité le verset qui parle de Al-Shafa'a. Et en vérité, ils ne les adorent pas car ils pensent que ce sont des associés à Allah dans sa seigneurie. Mais ils les ont fait associés dans sa divinité, subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont associé dans son adoration, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Hussein, il a dit combien t'adores de divinités aujourd'hui? Il a dit 7. 6 sur terre et une dans le ciel. Et il lui dit, mais qui tu adores quand tu crains un mal, quand tu espères un bien et tu cherches un bien avec vigilance? Il a dit, celui qui est dans le ciel. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Donc regardez ici comment ils étaient leurs croyances. Ils savaient très bien qu'Allah, dans les moments de difficulté, ils s'en remettaient à Allah seul. Mais dans les moments d'aisance, il lui donnait des associés. Donc, il faisait cela pour chercher des intercesseurs auprès d'Allah. Alors le cheikh a dit, « وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Donc l'intercession, ils disent nous, on les invoque et on les implore et on s'approche d'eux que pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah pour nous. Comme je vous ai dit, ils ont comparé Allah à un roi de ce monde.
Alors qu'Allah n'a nul besoin de ceux qui intercèdent, comme on va le voir. Il a dit l'intercession est de deux types. Une intercession rejetée par la religion et une intercession admise et établie par la religion. L'intercession rejetée par la religion est celle réclamée auprès d'un autre qu'Allah, là où seul Allah est en mesure de répondre à notre besoin. Pour preuve, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ô vous qui croyez, dépensez une partie de ce que nous vous avons accordé avant la venue d'un jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Donc ici, il parle de l'intercession qui est interdite et rejetée en islam. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Quant à l'intercession admise et légiférée par la législation islamique, il s'agit de celle demandée auprès d'Allah. Allah honore alors celui qui intercède auprès de lui en acceptant son intercession, mais celui qui bénéficie de l'intercession après qu'Allah l'ait autorisé doit être de ceux dont les paroles et les actes sont agréés auprès d'Allah. Ainsi Allah tabaraka wa ta'ala a dit: qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc l'islam ne rejette pas totalement al-shafa'a, l'intercession. Mais il y a une sorte d'intercession qui est interdite et qui est rejetée, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah, dans ce que seul Allah est capable. C'est important cette mesure-là. Par exemple, si tu demandes à quelqu'un de vivant sur terre qu'il intercède pour toi dans une chose qu'une créature est capable de faire en général, à condition qu'il soit vivant, présent et capable, ceci, ce n'est pas interdit. Par exemple, tu dis à quelqu'un: Akhi, intercède auprès de moi, auprès de l'université pour qu'il m'accepte en tant qu'élève. Intercède auprès de ton patron pour qu'il me prenne en tant qu'employé. Tout en remettant sa confiance en Allah, sans mettre sa confiance sur les causes. Ceci n'est pas interdit en islam. Par contre, demander l'intercession à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable de faire, ceci est du shirk akbar. Par exemple, demander à un mort: entre-moi au paradis, pardonne-moi mes péchés. Intercède pour moi pour que j'ai des enfants. Il a réel. Aide-moi contre mes ennemis et donne-nous la victoire sur nos ennemis. Donne-moi la guérison. Ça, que ce soit fait pour un mort ou pour quelqu'un de ra'ib, quelqu'un d'absent, ou même quelqu'un de présent, mais dans une chose que seul Allah est capable. Par exemple, tu vas voir quelqu'un: guéris-moi. Est-ce que quelqu'un peut te guérir? Tu peux dire: soigne-moi, donne-moi des soins. Mais il ne peut pas te guérir. Le docteur, il ne peut même pas se protéger lui-même de la maladie. Comment il va te protéger toi ou te guérir? Donc, c'est cette intercession qui est interdite en islam. Et c'est celle pour lesquels les associateurs croyaient, en laquelle ils croyaient, et jusqu'à aujourd'hui, les associateurs de cette communauté croient cela. Ils vont demain demander intercession à Abdel Qadir Jilani, ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe, ou à Sidi Intel, ou à Sidi Abdel Qadir, ou Sidi Qaddour, ou je ne sais qui, ou leurs différents wali, comme ils disent. Non. Par exemple, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On connaît l'histoire du compagnon Ukashata ibn Muhsin. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 70 000 vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment, il a dit: invoque Allah pour qu'il me fasse parmi eux. Ça, ce n'est pas interdit. Il a demandé de son vivant, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah pour lui. Ça, c'est une intercession permise. Par contre, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, alors ce n'est plus permis d'aller lui demander d'intercéder. Car déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'agit plus. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit: quand le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres, elles s'interrompent.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la tombe, il ne prie pas, il n'invoque pas, il ne fait pas du dhikr. Il est dans alam al-barzakh, il est dans le monde du barzakh. Juste, il répond au salam des gens qui lui passent salam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a énoncé. Quand les gens lui rendent salam, Allah ta'ala lui rend son âme, il rend salam. Que tu sois en face de lui ou à des millions de kilomètres, les anges, ils lui transmettent le salam. La deuxième catégorie d'intercession, celle qui est légiférée et établie en islam. Premièrement, donc cette intercession, elle a deux conditions. La permission d'Allah. Elle ne peut se passer qu'avec la permission d'Allah. Et Allah ne permet pas qu'on intercède pour une personne qu'il n'agrée pas. Donc la deuxième condition, c'est une personne dont Allah agrée ses œuvres et ses actes. Ses croyances, ses paroles et ses actes. Donc quelqu'un qui est associé à Allah, Allah il n'agrée pas ses actes. Donc il ne permettra pas qu'on intercède pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus heureux de mon intercession le jour du jugement dernier, c'est celui qui dit la ilaha illallah sincèrement. C'est-à-dire qui voue un culte pur à Allah. C'est lui qui mérite l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shafa'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le vrai monothéiste. Donc ça, c'est la première condition, l'idhn. La deuxième condition, al-rida. Comme Allah tabarak wa ta'ala dit, et combien d'anges dans les cieux, leur intercession ne sert à rien, sauf après qu'Allah ait donné la permission pour qui il veut et pour qui dont il est satisfait. Dont il est satisfait. Et ils n'intercéderont que pour ceux qu'Allah a agréés. Donc, il n'y a personne qui pourra intercéder sans la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa permission. D'ailleurs, le jour du jugement dernier, les gens ils vont être dans le monde et ils attendent. Ils vont tous aller voir les grands prophètes. Ils vont dire, ce n'est pas à moi. Allez voir Ibrahim, il va dire, Nuh, il va dire, allez voir Ibrahim. Nuh, Ibrahim va dire, allez voir Moussa, Isa. Isa, il va dire, allez voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire, ana laha. Et il va venir, il dit, je demande la permission à mon Seigneur. Donc, avant, même la grande shafa'a qu'Allah lui a promis, il ne pourra la voir si il demande la permission à son Seigneur. Le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wadih. Donc on a parlé des deux conditions pour que la shafa'a soit légiférée. Quelqu'un demandera, quel intérêt? Pourquoi la shafa'a? Pourquoi Allah va choisir certaines personnes pour intercéder? Pour les honorer ce jour-là, car ils méritent l'honneur. Donc Allah veut les honorer et leur donner une grande place. Et alors il va leur donner la permission d'intercéder pour des personnes dont Allah agrée leurs actes et leurs paroles. Wadih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul rabbi zidni ilma.